Qu'est-ce que tu fais à la boîte aux lettres ? Tu sais bien que tu ne dois pas sortir sans être accompagné. C'est tes résultats, ils te les ont envoyés ? Chère famille Nolden, nous avons fait un long voyage. Mais aujourd'hui, nous sommes de retour. Il nous a encore écrit, Carl. Il nous a encore écrit. Je vais appeler le commissaire Dennert. Dennert, je suis venu voir mon collègue Till. Elle est périmée. Oh, excusez-moi, je suis désolé. Le permis de conduire, ça fera l'affaire. J'ai travaillé ici autrefois. Enfin, pas ici, mais quand on était encore en place du Vieux Marché. Police criminelle, bureau des homicides. Gert ! Ben, dis donc, quelle surprise ! Ça fait combien de temps ? Je suis parti en retraite en 2008. Je te présente mon collègue Karls. Enchanté. Enchanté. On s'apprêtait à aller manger, tu viens ? Quand Gert était le patron, il campait au bureau. Et après, on l'a pas revu pendant 18 ans. Alors, qu'est-ce qui t'amène ? C'est pas pour la cantine que tu viens. Est-ce que tu te souviens de l'affaire Nolden ? Non, rappelle-moi. Un garçon qui venait de Yushen. À l'époque, il avait 15 ans. Disparu sans laisser de traces, en plein jour. En 1997. Je faisais pas encore partie de l'équipe. Le corps n'a jamais été retrouvé, c'est ça ? C'est quoi, ça ? Mes conclusions d'enquête de l'époque. Les parents ont reçu de nouvelles lettres récemment. Des lettres ? Après la disparition de leur fils, les parents ont reçu des cartes postales disant qu'il était vivant. Et là, il leur a écrit à nouveau, après un silence de plus de 25 ans. Chère famille Nolden, nous avons fait un long voyage, mais aujourd'hui nous sommes de retour. Sven va bien. Il va vous appeler bientôt, Chris. À l'époque, déjà, les cartes postales étaient signées Chris. Comme celle-là ? Ouais, c'est ça. Il y en a eu 17 en tout, envoyées depuis un peu partout en Europe, de différents pays. Ça a fini par s'arrêter au bout de quelques semaines. Et c'est toujours la même écriture. Oui, à première vue. Monsieur et Madame Nolden, 22 Chemin Neuf. C'est eux qui t'ont prévenu ? Oui, hier. Tu sais, entre nous, le contact n'a jamais été vraiment rompu. Bonsoir, Karim. Je vous présente le commissaire principal, Till. Police criminelle de Mönchengladbach. Mon successeur. Bonsoir. Venez, entrez. Merci. Entrez, asseyez-vous. Est-ce qu'on a reparlé de l'affaire dans la presse récemment ? Pas que je sache, n'est-ce pas, Karl ? Non, mais... il y a 5 ans, ils en ont reparlé dans le journal de Gladbach. D'ailleurs, ils vous ont interviewé, vous aussi, non ? Ils avaient publié une série d'articles. Enquête criminelle non élucidée. Mais je ne leur avais pas donné beaucoup de détails. J'ai pas grand-chose à vous offrir. Je vais voir si j'ai pas quelques biscuits. Ça ira, je vous remercie. Mes collègues de la police scientifique vont examiner la lettre que vous avez reçue. On trouvera peut-être quelque chose. Aujourd'hui, nos moyens sont plus développés qu'il y a 25 ans. Mais surtout, n'ayez pas trop d'espoir. Qu'il puisse revenir, vous voulez dire ? Qu'on découvre de nouvelles pistes. Et s'il était encore vivant ?
C'est possible, non? Pourquoi il nous infligerait ce genre d'épreuve? Pourquoi, hein? On n'avait eu aucune dispute. Aucune. Il venait d'avoir le résultat de son contrôle de maths. 18. Avant, il n'avait jamais eu plus de 12. Je lui ai donné une pièce de 5 marques pour le récompenser. Il l'a mise dans sa poche. Et il a demandé s'il pouvait sortir. Il voulait aller à Yucurat. Je lui ai donné la permission et elle me le reproche encore aujourd'hui. Sa chambre est toujours là? Oui, bien sûr. Elle est là-haut, à l'étage. Je crois que je sais encore où elle est. Je vous accompagne. Qu'est-ce qu'il allait faire à Yucurat? Retrouver des amis. Il faisait partie de leur équipe de football. Et il était scout aussi. Mais tout le village a été rasé depuis. Il avait une copine? Non. Et Chris? Il y avait bien un Chris, non? Oui, peut-être, je ne sais pas. Je ne connaissais pas tous ses amis. Tu y crois pas, ce Chris? Toutes les relations et connaissances du gamin, on les a passées au peigne fin. Il n'y avait aucun Christopher ou Christian dans sa classe, ni chez les scouts, ni dans l'équipe de foot? Aucun, en tout cas, qui soit proche de lui. C'est peut-être un faux nom. Nous avons procédé à une comparaison graphologique de l'écriture de chacun d'entre eux avec celle des cartes, et ça n'a rien donné. Tout ça est marqué dans mon rapport. Tu vas rouvrir l'enquête? Il y a matière? Pour moi, rien n'est résolu. Il y a toujours matière à enquêter. Oh. Portable de Julia Clam. C'est toi, Julia? Non, qui est à l'appareil? Et toi, tu es qui? Attendez. Allô? Qui est à l'appareil? Ton père. T'es toujours là, ma puce? Je t'ai écrit que j'allais venir te voir bientôt. Je pense que si on rouvre cette enquête, on a de bonnes chances de la mener à bien. Même au bout de 25 ans. Ah, ça, on verra quand on aura le résultat de nos collègues du laboratoire. Bon, d'accord. On va attendre. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Que je me cherche une occupation? Il croit qu'on se tourne des pouces ici ou quoi? Peut-être qu'il vaut mieux attendre, finalement. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Tiens, regarde. Chère famille Nolden, ne vous inquiétez pas, Sven va bien. Nous passons un agréable séjour au lac Balaton. C'est la même écriture, le même ton, comme il y a 25 ans. Elles n'ont jamais été publiées? Enfin, qu'est-ce que tu crois? Que quelqu'un les aurait vues il y a 25 ans et que maintenant ils s'amusent à faire souffrir les Nolden? Je disais ça comme ça. Pour changer de sujet... la direction de la police à Düsseldorf a publié une offre de poste. Oui, alors? J'ai posé ma candidature. Toi? Un poste à la direction? Oui, à la brigade 14. Quoi? Au crime organisé? Au service évaluation et analyse. T'aurais peut-être pu m'en parler. La date limite de dépôt de candidature, c'était vendredi, et t'étais en congé. Alors, bon courage. En attendant, trouve-moi où sont stockées les cartes postales de l'affaire Sven et transmets-les à Martha, qu'elle compare l'ADN avec celui de la nouvelle lettre, en espérant qu'elle puisse en prélever. Là, tout de suite? Oui, tout de suite. T'es pressé d'aller à Düsseldorf, non?
Au fait, je l'ai eu, le poste. Et je peux même commencer dès le mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le procureur? Il veut attendre les résultats de nos collègues de la scientifique. Oui, bien sûr, pour savoir si les cartes postales de l'époque et la dernière lettre ont été écrites par la même personne. Oui, exactement. Donc c'est ici. C'est ici qu'il a été vu pour la dernière fois, par un paysan qui faisait ses semis d'hiver. Avec ce garçon qui portait une parka. C'est là qu'ils ont disparu, dans le souterrain. Il était quelle heure? Environ 17 heures, le jour commençait à tomber. Et pourquoi ce paysan les a remarqués? Il s'est dit que ça devait être deux petits mignons. Pardon? Deux petits pédés. Des homosexuels, quoi. C'est parce qu'il se tenait par la main qu'il a cru que... Au-delà du souterrain, la route monte vers une aire de repos sur l'autoroute A46. Dans le temps, c'était le lieu de rencontre des homos. Ah ouais, quelle époque. Je trouve ça dommage que tu t'en ailles. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et Ingo, qu'est-ce qu'il dit? Bon courage. Le gars a dit qu'il allait sortir les cartons qui pourraient contenir les cartes postales et qu'il les mettrait sur la rampe. Le légendaire sens de l'ordre du greffe des pièces à conviction. Il y a tout ça? Putain de merde. Et là, il y avait quoi? Les prostituées homo. Je savais pas. Eh oui, ils étaient très appréciés par les chauffeurs routiers. On est resté des semaines ici à demander à tout le monde si personne n'avait aperçu le garçon. On avait même placardé des affiches. Ils ont pas dû apprécier. Notre hypothèse était que le garçon avec la parka, que le paysan avait aperçu avec Sven, l'avait attiré jusqu'ici, et qu'ensuite... Il était monté dans la cabine d'un chauffeur routier. Les gens d'ici le connaissaient, le jeune à la parka? Non, personne ne le connaissait. Les a prises. C'est Mehmet. Je vous raconte pas. Moi, ma mère, elle me tuerait. Elles sont trop cool. Alors, princesse? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis de retour en ville. T'as un peu de temps? On se voit demain? Ok. Salut. Salut. On vous attend. On y va tout de suite. C'est pas très loin. Je vais aussi. Comment tu vas? Ça va. L'école, ça roule? Ça roule. Et ta mère? Ça va. On fait quoi? On marche un peu? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu leur montrais à tes copines tout à l'heure? Des photos. C'est un pote qui les a faites. Il me trouve super photogénique. Fais voir. Je les ai mises en ligne. T'as qu'à aller les voir? En ce moment, j'ai plus de portable. Sérieux? Cool. C'est quoi? Il y a un mec qui arrête pas de me liker. Je monte vite fait. D'accord.
Je vous ai vu, monsieur Henk. Mais vous n'allez pas m'y annoncer. Que je ne vous y reprenne plus. Vous avez compris? Venez, je vous en mets une pile à ranger. C'est ma petite fille, elle. Elle met tout un tas de photos d'elle sur Internet et... Moi, ça m'inquiète forcément. Vous savez, il y a un tas de choses qui ont changé dehors. Vous allez vous en rendre compte dès votre première sortie accompagnée. J'ai peur de ne pas m'en sortir dehors. Ma fille ne veut plus entendre parler de moi et à part elle, il n'y a plus personne qui m'attend. Elle me croit sans doute responsable de la mort de ma femme. Je crois qu'au fond, elle n'a peut-être pas tort, ouais. Quelle épouse survivrait à cette situation? Avoir un assassin pour mari. Si jamais... Si on m'accorde une sortie, vous accepteriez de m'accompagner? C'est à la direction d'en décider. Mais oui. Si c'est ce que vous voulez. C'est quoi tout ça? C'est quoi ce bordel? C'est l'ensemble des éléments d'enquête de l'affaire Sven. S'il y a une chose qu'on peut pas reprocher à nos collègues de l'époque, c'est d'avoir manqué de zèle. Attention! Pardon, excuse-moi. Je t'avais demandé de récupérer les cartes postales, c'est tout. T'as qu'à aller te plaindre aux archives. Tu crois que ça m'amuse de jouer les déménageurs, peut-être? T'as qu'à te faire respecter. Comment tu crois qu'ils vont te traiter, tes collègues à Düsseldorf? Si tu savais à quel point tu me les casses avec ta putain d'arrogance, tu te crois au-dessus de tout le monde ou quoi? Tu vois pas que t'es ridicule, là? Tu leur montreras comme t'es ridicule! Vous pouvez baisser d'un cran? C'est à Vinny qu'il faut le dire! T'as une idée du nombre d'allers-retours qu'il a fait? 5. Il te faut combien de cartes postales? Une seule. Ça fait 25 ans et on n'a pas de corps. Ingo? Ingo? Elle a 472 ans. Tes collègues de Wesel l'ont trouvée il y a quelques semaines dans un marais. Ah oui? Ils soupçonnaient un meurtre. Et là, personne n'en veut plus. Montre-moi les lettres. Tiens. La salive sous le timbre. On l'a déjà eu, ça. Oh, tu vas y arriver. Après tout, elles n'ont que 25 ans. Pour celle-là, ce sera difficile. Parce que le timbre est autocollant. Même chose pour l'enveloppe. Et à supposer que ce soit le même expéditeur, t'en déduis quoi? Que le gamin est encore en vie? Je crains que non. Ouais. Cela dit, les affaires familiales, c'est pas non plus notre rayon. Dis-moi. Un délinquant qui se manifeste encore une fois. Peut-être qu'il est tendu. Ou qu'il a une nouvelle pulsion. C'est un enfant qui écrit. C'est peut-être ce qu'il veut nous faire croire, justement. Si c'est toujours le même auteur, on rouvrira l'enquête. J'ai vu ça avec le procureur. Combien de temps t'avais cherché Mirko à l'époque? 133 jours. Et ton collègue, ça fait 25 ans qu'il cherche Sven. Ça te poursuit, ce genre de truc. C'est quoi, ça? Une larme? Viens voir. C'est peut-être les parents. Sven! Bonjour.
encore reçu une autre lettre. C'est toujours la même écriture, enfin à mon avis. J'avais demandé à M. Nolden, dans le cas où il arriverait une autre lettre, de ne pas la toucher. Malheureusement, sa femme a été plus rapide que lui. En tout cas, il m'a prévenu tout de suite. Regarde le timbre, il n'est pas autocollant. Il a dû aller l'acheter au distributeur, mais il s'est trompé de tarif. Il l'a affranchi au-dessus du prix, 1 €. Ou alors il avait pas la pointe, ces machines rendent pas la monnaie. Oui, en effet, si jamais on a trop payé, on ne peut se faire rembourser la différence qu'en timbre. T'es sérieux, là? Vous y connaissez? Viens! T'écris jamais, toi. Il a pas d'amis. Désolé. Il y a du nouveau? Il a encore écrit. Chère famille Nolden, il n'y en a plus pour très longtemps. Mais nous avons encore quelques petits problèmes. Ensuite, Sven viendra vous rendre visite. Affectueusement, Chris. La lettre vient de Cologne. Comme la précédente. Oui, Martha. Tu es sûr? Ok, merci. L'ADN relevé sur la carte postale de l'époque et celui de la larme sur le papier sont identiques, selon Martha. Vraiment? Ouais. Et l'auteur des lettres est une femme, sans aucun doute possible. Comment ça se fait qu'à l'époque, on s'en soit pas aperçu? Dans le temps, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Vous l'aviez prise au sérieux, au moins, la piste des cartes postales? Ah oui, très au sérieux. Déjà, elles arrivaient dans un certain ordre. Oui. Regardez. Passau, Vienne, Budapest, Kesteli, au bord du lac Balaton, Zagreb, Pula, Trieste. Notre supposition était qu'un chauffeur routier avait dû l'embarquer sur l'aire de repos de l'autoroute. Du coup, vous vous êtes focalisé sur les PD, c'est ça? S'il te plaît, Vinny. Quoi, s'il te plaît, Vinny? C'est la vérité. Le jeune à la parka se promène main dans la main avec lui, dans la zone des prostituées PD, et voilà, le tour est joué. Ça suffit, maintenant. On a quand même le droit de poser des questions, non? Et les autres pistes, alors? Enseignant, camarade d'école, entraîneur, il était dans une équipe de foot, non? Avec des pédophiles dans les parades. Le commissaire Dehnert n'a jamais cessé de chercher Sven, et il le cherche toujours! C'est quelque chose que je souhaite à personne! Et ça, on est bien d'accord. Et maintenant, on fait quoi, nous autres? On bosse 7 jours sur 7, H24? Jusqu'à ce que Monsieur Thiel sorte un cadavre décomposé d'un étang quelconque et se fasse encenser par les journalistes? Je crois que tu ferais mieux de partir. Est-ce que c'est un ordre? Je suis désolé, Gert. Dans un sens, il a raison. On a dit que c'était une femme. Ça implique quoi? On devrait comparer l'ADN prélevé sur les lettres avec celui de la mère de Sven. C'est peut-être elle qui a écrit ces lettres. Une mère qui n'accepte pas que son fils l'ait quitté? Franchement, je dois dire que j'ai du mal à imaginer ça. Oui, enfin, il faut tout envisager. On pourrait aussi envisager le cas d'une femme qui, à l'époque, aurait pris le train en marche. Elle voulait donner de l'espoir aux parents, et récemment, elle s'y est remise. Moi, je dis que c'est peut-être juste une grosse conne qui veut donner un sens à sa petite vie sans intérêt aux dépens de la famille Nolden. Qui peut bien écrire ces lettres? Tim, essaie de savoir s'il y a moyen de les retracer. C'est comme si c'était fait. Tu peux nous trouver une salle pour repasser tous ces cartons au peigne fin? On sait jamais, ils ont pu laisser passer un truc à l'époque. Et il nous faut du renfort. On a besoin d'un analyste, quelqu'un qui s'y connaisse en profilage. Demandez à la direction générale, ils ont peut-être quelqu'un à nous proposer. Je suis tout à fait disposé. Impossible, Gert. Tu le sais très bien. Il nous faut un regard neuf. Si jamais on a des questions, on t'appellera. Connie, on va aller voir les Nolden. On sera de retour à 17h. Ingo, il faut que tu lui parles. C'est vrai, quoi. Tu l'as blessé. Il nous quitte au début de l'année. Je lui ai souhaité bon courage, point barre. Et d'ici là, je compte bien qu'il fasse son boulot. La dernière école où Sven est allé, c'est laquelle? Il allait à Odenkirchen. Il était au lycée là-bas. C'est la dernière photo que j'ai collée dans l'album.
Là, c'est les scouts de Saint-Georges dont il faisait partie. La photo a été prise à l'automne, avant qu'ils s'en aillent. Ils étaient tous partis à Lourdes. Cette photo-là, c'est le curé de Saint-Ingbert qui nous l'a donnée. C'est la dernière photo de Sven que nous ayons. Saint-Ingbert ? Oui, c'était l'église paroissiale de Jukerat, mais ensuite elle a été reconstruite ici, comme le reste. Même nos morts, on les a emmenés avec nous. Ça va ? Oui, merci. Excusez-moi. Laisse-moi. Il n'a plus aucun espoir. J'arrive pas à comprendre ça. Il faut toujours garder espoir. Il y a d'autres photos de ce voyage avec les scouts ? Monsieur Dennert nous a posé la même question à l'époque. Il n'y avait pas de Christ dans leur groupe. Il y a quelqu'un ? Madame ? Je peux vous aider ? Je viens de la direction générale. Département 31.5, profilage criminel. Je suis censée venir en renfort sur un cold case. Je crois qu'on se connaît, non ? Le commissaire Thiel avait sollicité mes compétences dans l'affaire des jumelles. Ah oui, oui, dans ce cas, je vais vous guider jusqu'à lui. On est en bas, au sous-sol. On sera bientôt collègues, au fait. En janvier, je serai au département 14. Crime organisé ? Oui, service évaluation et analyse. Ça vous plaît, les stats ? Qu'est-ce que vous voulez, après l'expérience de terrain ? On a envie d'une vie un peu plus calme. On peut dire ça. Là, c'est chez les Nolden, là, c'est le chemin que Sven a emprunté, et là, l'endroit où on l'a vu pour la dernière fois. Connie, tu me donnes un coup de main, s'il te plaît ? Il était en compagnie de Chris. En compagnie d'un jeune aux cheveux bruns, vêtu d'une parka. Aujourd'hui, derrière l'autoroute, il y a une mine à ciel ouvert. On part du principe qu'à l'époque, ces deux-là ne sont... Oh. Ça, c'est les derniers. Je vous amène Madame Sturz, la profileuse que nous envoie la direction générale. Je mets ça où ? Mets-les à côté pour le moment. Bonjour. On se connaît. L'affaire Amélie, les sœurs jumelles. Exactement. Je suis ravi. J'ai survolé les conclusions de votre collègue de l'époque. Alors, on reprend tout à zéro. Oui, ça en a tout l'air. Donc, on part du principe qu'à l'époque, ces deux-là ne sont pas... Vinny ? Quoi encore ? Tu vas où ? Bah, j'ai besoin de toi, ici. Düsseldorf, c'est dans 2 mois. On part du principe que les deux garçons ne voulaient pas aller sur ce parking. En 97, cette route-là conduisait encore au village de Jukerat et Nid, avant qu'il soit finalement rasé en 2007. Jukerat ou Sven jouait au foot dans l'association sportive et où il participait aux activités des scouts catholiques de Saint-Georges. D'ailleurs, à l'époque, la cellule d'investigation a établi la liste des membres, oui, dans ce dossier, des deux associations. Là ? Affectueusement, Chris. Non, ça concerne les élèves de sa classe. Ce sont des analyses graphologiques. Il allait au lycée d'Odenkirchen, un peu plus au nord. Ils ont procédé aux mêmes analyses pour l'équipe de foot, comme pour les scouts. Ils sont où, les originaux ? Et voilà. Merci. Donc, si les deux garçons ne se sont pas rendus sur le parking, c'est qu'ils étaient sans doute sur le chemin de Nid, ou de Jukerat. Peu avant sa disparition, pendant les vacances de la Toussaint, Sven et son groupe de scouts avaient fait un voyage à Lourdes. À Lourdes ?
Y a pas que les infirmes adeptes des guérisons miraculeuses qui vont là-bas. Ils aident à transporter les pèlerins malades à l'intérieur de la grotte. À chaque jour, sa bonne action. Oh. Moi aussi, j'ai été scout et je suis allé à Lourdes. Ah oui? Et c'était comment? Tu veux savoir si le curé avait la main baladeuse? Oui, mais à part ça, il y avait aussi des filles dans le groupe, non? Vous aviez quel âge? 15 ans, 16 ans, je sais pas. Et alors? C'était comment? La veillée autour du feu? La bouteille de rouge achetée en douce qu'on fait tourner? Le gars avec sa guitare qui chante le pénitencier, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est tout? Bah, il se passait des trucs. Bah voilà. Les analyses ADN ont révélé que dans les deux cas, l'auteur des lettres est une femme. Ah, c'est la même qui a écrit les cartes postales à l'époque? Exactement. Intéressant. L'écriture n'a pas du tout changé. Sur une période de 25 ans, c'est très rare. C'est la même chose pour la syntaxe, le vocabulaire. Elle avait maximum 15 ans et un niveau d'éducation plutôt faible. On va avoir besoin de quelqu'un pour nous aider à retrouver tous les scouts du groupe. Les questionner à propos de Chris, savoir s'ils se souviennent du voyage à Lourdes, s'il existe des photos. Tu t'en occupes? Moi? Bah oui, c'est toi le spécialiste. Jessie, t'es là? Ouais. Pourquoi t'es pas en train de faire tes devoirs? Salut. Qu'est-ce qu'il fait ici? Tu l'as laissé entrer? Il sait pas où dormir. C'est juste pour une nuit. C'est juste pour une nuit. Dors. Tout de suite, dors! T'as entendu ce que Jessie vient de te dire? C'est seulement dégage. Pour ce soir, pour une seule nuit. Tu te dégages tout de suite! Je démarre un job demain. Un de mes potes a une société de gardiennage. Il cherche toujours des gens casse-toi ou je te tue! Je te promets que je te bute! Eh, hey, dis quelque chose, toi. C'est juste pour ce soir, maman. Il s'est fait virer de sa coloc. Je te jure que je rigole pas. J'ai compris, je me casse. C'est bon. C'est fermé à clé. Tu peux me prêter un peu d'argent? T'es un amour, merci. Salut, papa. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il m'a fait de la peine. Et je te signale que c'est mon père, merde! Jessie, c'est des photos que je parle, t'as l'air d'une pute. Parce que tu fouilles dans mon téléphone, maintenant? Je suis censée te protéger, essaye un peu de comprendre. Mais putain, maman! J'ai 16 ans! Attends! Deux lettres ont été tamponnées au centre de tri de Kolung West. Un des centres les plus importants. Il traite plus d'un million d'envois par jour. Dont deux qui nous intéressent. Chaque jour qui passe diminue les chances de conclure une enquête. C'est un truc que j'ai entendu dire. C'est bien possible. Dennert, il le cherche depuis quand, le môme? Je parie que t'as déjà fait le calcul. 8971 jours. Ça fait 8971 jours que ce môme a disparu. Oui, et ses parents attendent toujours son retour. Regarde autour de toi. Comment tu veux qu'on retrouve quoi que ce soit ici après toutes ces années?
Nous traitons chaque jour jusqu'à 1,5 million de courriers provenant d'environ 1200 boîtes aux lettres. Alors comment voulez-vous qu'on puisse déterminer où exactement la lettre a été postée? C'est bien ce qu'on vous demande. Aucune idée, franchement. Mais peut-être qu'elle l'a déposée directement au guichet d'un bureau de poste. C'était quoi la destination de ces lettres? Yushan, les deux. Neurath. Ah oui, 41363. Quoi? Le code postal. Écoutez, s'il s'agit d'intercepter une lettre avant qu'elle soit distribuée, il vaut mieux voir ça avec mes collègues de Mönchengladbach. Pour eux, c'est plus facile. Leur centre est beaucoup, beaucoup plus petit. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est dans quelle boîte elle a été postée. Ça, c'est pas possible. Qui relève les boîtes aux lettres? Nos conductrices. On en a aussi externalisé une partie à nos sous-traitants. Conductrices? C'est là. Donc, nos conducteurs et conductrices déchargent ici en fin d'après-midi. Les lettres sont transportées dans tous ces conteneurs. Et ensuite? Il passe à l'intérieur, dans le local de tri. C'est quoi les critères de tri? La taille, standard, grand, maxi. Et ensuite, on les charge dans les machines de traitement du courrier et à partir de là, tout est automatisé. L'enveloppe est pesée, le timbre oblitéré, l'adresse saisie est traitée avant le tri et l'acheminement final vers le destinataire. C'est avec des codes-barres qu'on saisit les adresses, non? Oui, dans nos machines de tri. Et est-ce qu'on pourrait les programmer pour qu'ils ne filtrent qu'une seule adresse? Oui, c'est possible. Comme ça, on pourrait savoir de quelle tournée provient la lettre. Non. Ça exigerait de trier chaque tournée individuellement, ce qui paralyserait totalement notre centre de tri. Oui, vous n'avez pas besoin de ça. Non. Tant pis, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si vous arrivez à délimiter une zone, à définir un secteur précis, on pourrait faire un premier tri manuel. C'est ce qu'on fait en période de correspondance intense, quand la capacité des machines arrive à saturation. Comme à Noël, par exemple. Oui, Gert? Carl Nolden a eu une nouvelle attaque ce matin. Il n'a pas l'air d'aller très fort. Je suis désolé. Et il y a une nouvelle lettre qui est arrivée. Cette fois, il y a quelque chose à l'intérieur. Pourquoi elle fait ça? Vous aviez pris des échantillons d'ADN de Sven? Ça se faisait pas à l'époque et on n'avait pas d'éléments de comparaison. Juste des objets personnels pour les faire sentir aux chiens. Bien sûr. Tu peux t'en occuper? Ils n'ont touché absolument à rien dans sa chambre. Je serais pas surpris qu'il y ait encore une vieille brosse à lui ou un peigne qui traîne. Au pire, on fera avec celui des parents. Il est dans quel hôpital, monsieur Nolden? À Reich, à l'hôpital Elisabeth. Vous pourriez peut-être venir? Ils ont confiance en vous. Carl Nolden n'a toujours souhaité qu'une chose. C'est de savoir de son vivant ce qui a pu arriver à son fils. Je sais, Gert. Je le sais bien. Je suis allé voir le curé de Neu-Jukerath. Le curé de l'époque est mort de chagrin quand son église a été démolie. Quant au groupe de scouts, il a été dispersé aux quatre vents. On est sur le coup. Tu permets? Oui, bien sûr. C'est quoi ça? Une nouvelle lettre arrivée ce matin. Je vais me chercher un truc, moi aussi. C'est un bonnet turc. Qu'est-ce que tu dis? Un bonnet turc. Ça sert à nouer le foulard chez les scouts. On s'est échiné dessus jusqu'à l'épuisement. Je sais le faire les yeux fermés. Alors? Pas facile, hein? J'ai encore jamais vu une chambre d'ado aussi bien rangée. Quand je pense à celle de mes frères... Madame Nolden la conserve en état comme si c'était un musée. Mais à l'époque, vous avez bien dû y jeter un coup d'œil. Vous n'avez rien trouvé qui était interdit? Si. Des cigarettes. Où ça? Il les gardait rangées dans une petite boîte. Attendez. Je me rappelle qu'il s'était aménagé une espèce de cachette. C'était dans un des tiroirs. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dedans? Les trucs habituels, revues porno, briquet tempête, cran d'arrêt, flasque à alcool, rien de bien méchant. Des préservatifs? Non. Vous en avez cherché? Et les revues porno, elles étaient orientées gays? Elles étaient normales. Normales. La voilà. La boîte à cigarettes. Elle n'y a pas touché non plus.
Ça y était déjà ? Aucune idée. Si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pourriez rapporter la clé à Madame Nolden à l'hôpital ? Pas de problème. Mais vous voulez pas monter et je vous ramène Non, merci. J'ai envie de marcher un peu. Sven est bien ton ami ? C'est vrai, mais on se voit pas très souvent. Vous êtes dans la même classe, vous faites partie du même groupe de scouts. Mais je connais aucun Chris. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que Sven avait un secret ? Je comprends pas de quoi vous parlez. Tu connais l'aire de repos sur l'autoroute A46 ? Le rendez-vous des PD ? Comment tu sais que c'est le rendez-vous des PD qui se prostitue ? C'est Sven qui t'a raconté qu'il avait été là-bas ? Non, pourquoi ? C'est pas si grand, Yukerat. Les jeunes du village se connaissent forcément. Je le connais pas. Parka, jean, grosse botte, mince, même taille que Sven. Non, je vois pas. Est-ce que quelqu'un vous a déjà abordé pour vous dire que là-haut, il y avait moyen de se faire quelques marques vite fait ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce que je veux dire ? À ton avis ? Cette histoire d'un mot, c'est une idée fixe chez lui. Je viens de parler au téléphone avec une ancienne scout qui a fait le voyage à Lourdes avec eux. Elle habite à Münster maintenant. Elle m'a aussi dit que l'aumônier qui a accompagné leur groupe à l'époque est encore vivant. Pourquoi le curé de Neu-Jukerath me l'a pas dit ? Je suppose que s'étant marié, il a dû abandonner la prêtrise. Aujourd'hui, il vit à Kirchberg avec sa famille. D'ailleurs, j'ai son adresse. Ce village-là aussi va disparaître, comme Jukerath à l'époque. Il est pas là, Ingo ? Il est chez le procureur avec Tim, pour essayer de le convaincre de leur concept de surveillance de boîte aux lettres. Pourquoi ? Parce que ça coûte une blinde de faire trier individuellement le courrier de chacune des boîtes aux lettres de Cologne, juste parce que le patron croit que celle qui écrit les lettres a quelque chose à voir avec la disparition de Sven. Tu viens avec moi voir l'aumônier ? Volontiers. Ça vous dérange si je vous accompagne ? Non. Et toi ? Dans ce cas, je reste. Il faudrait pas que ça tourne au voyage d'entreprise. Bon, je crois que la question est réglée. Dis-moi, Ingo, c'est pas la voiture de Dennert, ça ? Si, il est allé voir les Nolden avec Connie. Alors, vous avez le feu vert du procureur pour la surveillance des boîtes aux lettres ? Ouais, pour 2 semaines. Gert est encore là ? Non. Je crois qu'il va falloir que je lui parle. Il a laissé sa voiture ici. Je suis revenu sans lui. Il vous laisse dégourdir les jambes. Personnellement, j'ai l'impression qu'il est plutôt découragé. Pourquoi ? On a trouvé ça dans la chambre de Sven. À l'époque, ça lui avait échappé. Je m'apprêtais à la donner à Martha au labo. Une mèche de cheveux ? Une boucle. Il la conservait comme une sorte de fétiche. Si ça se trouve, le nœud de scout est aussi une sorte de fétiche. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'était peut-être un gage d'amitié. Je veux dire, la boucle, en échange du bonnet turc. Nous, on tressait des bracelets en plastique et on se les offrait entre nous. Ma copine m'avait tricoté un pull sans manches. Je l'ai jamais porté. Du coup, elle t'a quitté, je suppose ? Je me suis marié avec elle. Ils vont le raser quand, le village ? Dans 2 ans. À vrai dire, je sais très peu de choses sur Sven. Il était joli garçon. Plutôt calme, timide. Je pense que s'il était chez les scouts, c'était pour faire plaisir à ses parents. Il était enfant de cœur. Je vous sers ? Pas pour moi, merci. Et vous ? Non, merci. Ah, ma douce. Alors ? Oui. Je te présente Madame Sturz et Monsieur Karls.
voici ma chère épouse. Ça y est, il dort, Balthazar? J'ai dû lui redonner le sein. Ah. Vous avez combien d'enfants? 5. Balthazar est un cadeau tardif de notre Seigneur. On ne l'espérait plus, n'est-ce pas? Ils sont là pour Sven. Ça fait tellement longtemps. Il était dans votre groupe chez les scouts? Eh bien non, c'était pas mon groupe. Moi, j'étais plutôt là pour leur donner un soutien spirituel. Mon épouse pourrait vous en dire beaucoup plus là-dessus. On avait à peu près le même âge. Est-ce que dans le groupe, il y a eu des flirts? Des histoires d'amour? Oui, bien sûr. Même si nous, les filles, on s'intéressait davantage aux plus âgés. Les routiers, entre autres. Les routiers? C'est une des tranches d'âge chez les scouts. D'abord louveteaux, puis scouts et routiers. On devient routier à 16 ans. J'ai été scout, moi aussi. C'est chouette. Comment ça se fait que vous repreniez les recherches? Nous, depuis le début, on a toujours espéré qu'il était juste parti. Vraiment? Oui. Oui, avec ses parents, les relations n'étaient pas simples, ils étaient trop sévères, ils n'avaient le droit de rien faire, n'est-ce pas, Henriette? À vrai dire, je m'intéressais pas tellement à lui. Et vous étiez combien dans votre groupe? Eh bien, 5 filles et 9 garçons. Là, c'est Sven. Là, c'est ma future épouse, et là, on me voit aussi au dernier rang. À l'époque, la plupart d'entre eux n'habitaient déjà plus à Jukerat, comme Sven. Bon nombre d'entre eux venaient de Kirchberg, le village voisin, comme celle qui allait devenir mon épouse. Ma famille vit ici depuis 500 ans. Oui. Notre village aussi va bientôt disparaître. Et d'ailleurs, notre église a déjà été profanée. Nous, on reste, et on se bat. Oui, je comprends. À l'époque, la police disait qu'il était parti avec un garçon. Dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de ce garçon? Personne ne le connaissait. Vous savez, il régnait une telle homophobie dans le village à cause de leur point de rencontre là-haut sur l'aire de repos de l'autoroute. Les parents avaient tous peur pour leurs enfants. Et puis aussi, il y a eu cette tentative de meurtre. Un meurtre? De quoi tu parles, Henriette? De cet homme à Jukerat qui a tiré sur une femme en pleine tête. Ah, tu veux dire Monsieur Renk? C'est son nom? C'était la dernière maison sur la route de Neurath. Un homme compliqué. Mais tout ça s'est passé longtemps après la disparition de Sven. C'était en 2002, il me semble. J'étais partie étudier à Bonn, tu sais bien. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cet homme? Je crois bien qu'il avait une entreprise d'échafaudage, si ça peut vous aider. Et sa fille, je me souviens l'avoir aperçue à Herkulens. Elle travaillait dans une station-service. C'était une fille extrêmement jolie, déjà très féminine pour son âge. Oui. Il est où, Madous, le classeur des entretiens pastoraux? Sûrement dans l'entrée. Parce qu'un jour, justement, j'ai voulu le convier pour un entretien. C'est vrai, c'était bizarre, cette fille, toujours seule avec son père. Stavros, c'est Julia! Toi! Stavros! Julia! Tu rentres dans la maison! Quoi? Je venais voir votre fille, Monsieur Renk. Je suis l'aumônier de Saint-Ingbert. C'est moi qui m'occupe du groupe de scouts. Ma fille n'a plus l'âge d'aller chez les scouts. Il était dans la cuisine. C'est une dame pour toi. Oui? Vous êtes bien Madame Clem Nerenk? Je travaille à la prison de Reinbar et je suis chargée de la surveillance de votre père pendant sa sortie accompagnée. Vous seriez d'accord pour le rencontrer? Nous venons d'arriver à Cologne. Nous sommes sur le parvis de la cathédrale. Vous pourriez nous rejoindre dans un café? À moins que vous ayez une autre idée. Madame Clem? Madame Clem, vous êtes toujours là? Ma mère peut pas vous parler. Maman? Ah, il manquait plus que lui. Vous avez déjà envisagé qu'il puisse s'agir d'un appel au secours? Bonjour. Bonjour. Un appel au secours? De la femme qui envoie les lettres? À ce stade, je suis à peu près sûre qu'elles sont écrites de la main gauche. Donc on a affaire à une gauchère? Non, justement. Si elle écrit de la main gauche, c'est pour qu'on ne puisse pas l'identifier par son écriture. Elle veut nous communiquer quelque chose, mais elle ne veut pas être démasquée. Le bonnet turc, c'est une preuve qu'elle est en contact avec Sven. Qu'elle l'était. Tu crois pas qu'il soit encore en vie? Pourquoi personne dans ce village n'arrive à se souvenir de ce Chris?
déjà à l'époque. Est-ce que le paysan l'aurait purement et simplement imaginé? C'est tout à fait possible. Ouais. Les gens s'inquiétaient de la prostitution homosexuelle, quelle que soit leur raison. Comme ton vieil ami Denert. Non, ça va, Vinny. Il t'a jamais rien dit au sujet d'une tentative de meurtre qui a eu lieu en 2002 dans un jardin ouvrier à Vikrat? Mais attends, qu'est-ce que cette histoire a à voir avec notre enquête? Le criminel venait de Yukerat. Qu'est-ce qui s'était passé? Un installateur d'échafaudage de 50 ans a tiré 3 balles dans la tête de sa voisine parce qu'elle s'était plainte des aboiements incessants de son clébard. Le criminel en question habitait avec sa fille dans une vieille ferme à Yukerat. Et Sven avait déjà disparu. Alors pourquoi il avait un jardin ouvrier avec Krat? La femme a survécu, on peut lui demander. Normalement, je devrais pas me le permettre. S'il y a une personne qui peut se le permettre, c'est bien vous. À votre avis, est-ce que je peux faire un tour aux toilettes? Venez avec moi. Non. Finissez votre gâteau tranquillement, je peux attendre. Vous allez tenir? Vous en êtes sûr? Quand on est mal à l'aise, ça a une incidence sur la vessie. J'ai l'impression que tout le monde ici me reconnaît. Allez-y, c'est bon. Vraiment? Vous savez ce qui se passera si vous ne revenez pas. Si vous saviez à quel point j'apprécie votre compagnie. Gert Denert, commissaire principal en retraite. Je souhaiterais rencontrer un de vos détenus. Le nom du détenu? Jürgen Renk. Vous avez rendez-vous? Non, mais c'est très important. Croyez-moi, monsieur, c'est extrêmement important. Désolé, sans rendez-vous, ça va pas être possible. Donc il est toujours chez vous? Monsieur Renk? Bonjour. Est-ce que tout va bien, monsieur Renk? Elle a été prévenue? Je l'ai eu au téléphone. Ma mère est dehors sur la terrasse. Je vous en prie, entrez. Merci. Vous voulez un café, un thé? Vous dérangez pas pour nous. Un thé, alors. Bonjour. La plupart des gens sont effrayés quand ils voient mon visage. Oh, nous, il nous en faut beaucoup, vous savez. Ah oui? Voilà ce qu'il m'a fait. Mais, venez. On avait le jardin ouvrier à côté du sien. J'y allais pour peindre. C'était aussi pour Alma, pour lui offrir un coin de nature. Ma mère les prépare elle-même. Ils sont délicieux. Merci. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Tu as encore besoin de moi? Je dois aller à la fac. Non, merci, ma chérie. Et merci d'avoir fait les courses. Vous ne sortez plus du tout? Parfois, de nuit.
Pourquoi vous vous intéressez à lui maintenant? Monsieur Renk a une fille. Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Oui. Yulia. Vous la connaissiez bien? Elle venait de temps en temps. Elle s'occupait d'Alma. Adorable. Mais il m'arrivait quand même de me demander si une jeune fille de 20 ans n'avait pas mieux à faire que de passer ses après-midi dans un jardin ouvrier avec son père. Est-ce que vous pourriez nous la décrire? Elle était très jolie, assez timide, et très soumise à son père. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il ne voulait pas qu'elle vienne chez nous. Un jour, mon mari a porté plainte contre lui. Parce qu'il brûlait toujours ses déchets dans son jardin. Des bâches plastiques, ce genre de choses. Les déchets de ses chantiers. Il y entreposait aussi ses échafaudages. Quand il appelait sa fille, elle partait tout de suite. Elle était très craintive. Et est-ce qu'elle était présente quand c'est arrivé? Non. Il n'y avait que lui et son berger allemand. Il le dressait à être agressif. Avec son bâton auquel le chien s'accrochait de toutes ses dents. Ça pouvait durer des heures. Je lui ai demandé... Est-ce qu'on pourrait être tranquille une minute? Alors il est parti. Puis il est revenu. Avec des fleurs. C'est trop gentil. Bonjour, Jessica. Qu'est-ce que vous me voulez? Tu peux me tutoyer. Non, laissez-moi tranquille. Écoute, je suis ton grand-père. Ta mère t'a jamais parlé de moi? Tiens, regarde, c'est moi avec ta mère, là. Elle devait avoir le même âge que toi. On avait fait un grand voyage à travers toute l'Europe. Tu peux la garder. Qu'est-ce qu'ils te veulent, vieux? Qui t'a permis d'aborder ma fille? Quoi, c'est ta fille? Y a personne qui emmerde ma fille. Tu le connais, lui? Je vais appeler les flics. Viens, Jessie, on y va. La prochaine fois, t'es mort. À partir de maintenant, c'est moi qui veille sur vous. Où t'as eu ça? C'est l'homme de la photo qui me l'a donné. Tu m'as toujours dit que tes parents étaient morts. Je comprends pas. C'est qui ce grand-père qui débarque? C'est moi qui comprends rien. Jessie, c'est pas possible. C'est pas possible, tu dis? C'est pas possible? T'as qu'à demander à papa. Papa aussi l'a vu? Oui, Martha. Salut, Ingo. Les éléments de la maison Nolden que vous m'avez envoyés. On a reçu les résultats. Gerlinde! Jürgen. Ah. Merci. Je suis obligée de le signaler. Ça va rester entre nous. C'est notre petit secret à vous et moi. La mèche de cheveux et l'empreinte génétique que nous avons prélevée sur la lettre correspondent à 98%. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que la mèche de cheveux appartient à celle qui a écrit les lettres. Ça vous surprend? Et là-dessus, t'as trouvé des traces d'ADN de Sven? Non. Trouver quelque chose là-dessus, c'est vraiment difficile. Un truc genre pellicule, au mieux, mais après tout ce temps... Donc vous pensez que Sven et celle qui a écrit les lettres se connaissaient? Bonsoir, Gert. Bonsoir, Ingo. Entre. Assieds-toi.
Merci. Tu veux un café ? Non, merci. Parle-moi un peu de Jürgen Rink. Vous êtes allé voir Madame Evers ? Il y a un truc que je comprends pas, Gert. Un criminel connu des services de police vivait dans la région. Et vous ne vous êtes même pas intéressé à lui ? L'agression dont a été victime Madame Evers s'est passée 5 ans plus tard. J'ai récupéré son dossier. Cet homme avait des antécédents judiciaires, avant d'être finalement incarcéré en 2002. Coups et blessures, possession illégale d'armes, et un jour, dans un accès de colère, il a balancé son contremaître du haut d'un échafaudage. Mais tout ça, c'est toujours sous le coup de l'émotion. C'est un homme coléreux, il est incapable de se maîtriser. C'est un schéma complètement différent. Gert, tu te rends compte que ce type a une fille? D'accord, mais à l'époque, on n'avait pas tous les éléments. C'est surtout que vous étiez focalisé sur les PD de l'aire d'autoroute. Une fois qu'il a tiré sur Madame Evers, qui l'a arrêté? Moi. Visiblement, il vivait comme mari et femme avec sa propre fille. À l'époque, je me doutais absolument pas qu'il pouvait y avoir le moindre lien entre lui et la disparition de Sven. Vous êtes vraiment certain que c'est elle qui les écrit, ces cartes postales? Déjà, faut qu'on réussisse à la retrouver. Qu'est-ce qu'elle est devenue après ça? Aucune idée. Elle était déjà majeure. En tout cas, elle a témoigné au procès. Elle ne pouvait pas y échapper. Après quoi, elle a disparu. Elle a probablement bénéficié d'une nouvelle identité, pour que son père ne puisse pas la retrouver. Ça y est, le voilà. Oui, j'en ai entendu parler à l'époque. Vous remettez cette histoire sur le feu. Et on peut savoir pourquoi? D'ici 18 mois, vous serez dehors. Si votre évaluation psychologique est satisfaisante. Toute personne mérite une seconde chance. Qu'est-ce que vous comptez faire à votre sortie? Vous avez 72 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mourir en homme libre. Vous êtes en contact avec votre fille? Elle n'est jamais venue me voir. Elle m'a jamais écrit. Elle vit où maintenant, votre fille? Je ne sais pas. Vous le savez, vous? Dites-le-moi. Nous aimerions prélever un échantillon de votre salive. Vous seriez d'accord? Pourquoi faire? Une comparaison génétique. C'est important pour notre enquête. Vous avez trouvé le corps? Quel corps, monsieur Rink? Eh bien, celui de ce garçon qui a disparu. Il doit sans doute plus rester grand-chose à trouver. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien... après tout ce temps... Vous me soupçonnez quand même pas.
Vous voudriez qu'on vous soupçonne de quoi, Monsieur Rank? Ben, d'être pour quelque chose dans sa disparition. En fait, pour le moment, nous ne sommes même pas certains qu'il soit mort. Alors? Non. Renk et sa fille habitaient ici. Ça, c'est la route de Neurath. Sven habitait ici. Chaque fois qu'il allait à la maison des jeunes, à l'église Saint-Ingbert ou au club de foot, Sven passait devant cette maison. Et c'est là qu'ils se seraient rencontrés? Oui, pourquoi pas. Elle traîne devant la maison, elle l'aborde. Elle avait 17 ans et lui 15. À cet âge-là, c'est énorme comme écart. Vous avez raison, Monsieur Karls. À cet âge-là, c'est énorme, mais c'est peut-être justement ce qui les a attirés l'un vers l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Julia Renk vivait avec son père. Il dormait dans le même lit, comme Monsieur Dennert nous l'a dit. Attendez, vous voulez dire que le vieux abusait d'elle et qu'elle avait besoin d'un confident dont elle n'aurait pas peur? Ça y est, ça n'a pas été facile parce qu'effectivement, elle a pris un nouveau nom. Maintenant, elle s'appelle Clem. Elle habite à Cologne-Courweiler et elle a une fille, Jessica. Ok, on va y aller. Madame Clem, Ingo Thiel, police de Mönchengladbach, ma collègue Madame Roth. Bonjour. Votre fille nous a dit qu'on vous trouverait ici. Il lui est arrivé quelque chose? Tout va bien, on est passé chez vous et c'est elle qui nous a ouvert. Pourtant, il sait qu'elle doit ouvrir à personne. On a besoin de vous parler. Vous avez un moment? Désolée, mais je dois travailler. Aucun problème, je peux téléphoner à votre employeur si vous voulez. J'ai vraiment pas le temps. Ça concerne un garçon qui a disparu il y a 25 ans. Dans les environs de Jukerath. C'est là que vous viviez avec votre père, non? J'ai rien à dire à ce sujet-là. C'est lui, le garçon. Ingo, c'est pas en lui mettant la pression que tu y arriveras. Le prélèvement salivaire, elle va le refuser, comme son père. Elle sait quelque chose. On sait jamais, elle viendra peut-être nous voir d'elle-même. Elle l'aurait fait depuis longtemps, déjà. Quoi, cette coiffure? Fais ta valise, faut s'en aller d'ici. T'es devenue folle ou quoi? Tu veux qu'on aille où? Il me retrouvera, il me retrouve toujours. À ce moment-là, je pourrai plus te protéger. De qui tu parles? De grand-père? Arrête! Arrête maintenant! Il va te tuer. Tout ce que j'aime, il le tue. Ici la directrice du centre de tri Cologne Ouest. On a intercepté une des lettres dont vous m'avez parlé. Voilà. Tenez, affranchi au-dessus du tarif. Merci. Tiens, posté à Cologne-Courweiler. Oui, dans les quartiers. Un secteur de distribution de 11 000 habitants. Ça représente combien de boîtes aux lettres? Ça en fait 27. Il y a un plan qui donne l'emplacement des boîtes aux lettres? Oui, il y en a un. Vous voulez aller où? Et vous, vous allez où? À Paris. Paris, c'est super. Allez, viens, Jessie. T'es complètement malade, hein? Juste une petite minute. Allez, tu viens maintenant. Non, je viens pas avec toi. Vous venez ou quoi? Je peux pas rester là éternellement. Dépêche-toi. Il y a donc 27 boîtes aux lettres qui nous intéressent. Mais si nous partons du principe que c'est effectivement Madame Renk, ou Madame Clem, comme elle s'appelle aujourd'hui, qui habite ici, qui a aussi posté cette lettre interceptée par la poste, alors, il n'en reste plus que 5 qui rentrent en ligne de compte, soit 1, 2, 3, 4, et surtout celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elle travaille et qu'elle peut acheter des timbres au distributeur automatique. Il y a une vidéosurveillance? Il faut que je vérifie. Vas-y, tu vérifies. Oui. Y a pas un autre moyen? On reconvoque Renk,
Il boit un café et comme ça, on récupère son ADN sur la tasse. T'es sérieux? Bah oui, pourquoi? Sinon, on pourrait aussi fouiller sa cellule à Reinbach. Ils font ça tout le temps, les gardiens. Oublie. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, les affaires personnelles de Renk et de sa fille? Les meubles, les souvenirs, tout? À qui on peut demander ça? À ton ami Dennert. Pour une fois, t'as une bonne idée, Vinny. Tu vas où? Bah, je m'en occupe. Moi, je trouve que ces autres idées sont intéressantes aussi. Bon sang, les enfants, il y a des lois. Si on l'a soupçonné à tort, on va se faire remonter les bretelles par le procureur. Strictement parlant, on n'a pas le droit d'ouvrir cette lettre. De toute façon, on sait ce qu'elle dit. Ah bon? Aidez-moi, mon père va bientôt sortir de prison, j'ai peur. Merci. De rien. Vous voulez vraiment descendre ici? Oui, oui. Elle va pas tarder à arriver. Regardez. Je peux zoomer davantage. Attention, voilà. C'est pas lisible. Comment voulez-vous qu'on prouve que c'est bien notre lettre qu'elle a mise dans la boîte? Par les empreintes? Difficile sur papier. Tu me sors une impression écran? Ça marche. On va voir comment elle réagit à ça. Connie? Tu viens avec moi? Madame Clem. Votre mère est là? On peut entrer? Et vous, vous êtes qui? Le père de Jesse. C'est là qu'il garait son camping-car avant. Il a été vendu aux enchères pour indemniser la victime à l'époque. Ah ben, elle a dû être contente, Madame Evers. Là, c'est son jardin ouvrier. C'est là que vous avez rangé les affaires personnelles de Renk? Ça représente 10 cartons de déménagement. Sa fille ne voulait rien, elle voulait même pas en entendre parler. Et il a continué à payer le loyer pendant tout ce temps-là. Ouais. Vous savez qu'il nous faut une autorisation du juge pour entrer. Cet homme-là? Il l'a formellement identifié. Selon lui, c'est bien Renk qui l'a agressé avant-hier. Quoi? Il était censé être en sortie accompagné. Comment Renk savait que Jessica et sa mère vivaient à Courweiler? Bonne question. Transmets l'info à la prison de Reinbach. Ça leur suffira peut-être pour justifier une fouille de sa cellule. Mmh. Et au fait, pour sa fille, il y a du neuf? On a donné son signalement, y compris à Europol. Jessica a dit que sa mère faisait du stop en direction d'Aix-la-Chapelle. Merci. Tu savais que ton grand-père était en prison? Ta mère t'en avait parlé? Elle m'a toujours dit qu'il était mort. Comme ma grand-mère. D'un cancer. Ça, c'est vrai. Ta grand-mère est décédée en 1990. Ta mère était encore toute petite. Elle t'a raconté? Ensuite, elle a vécu seule avec ton grand-père. Elle te l'a raconté, ça aussi? Oui. Et elle t'a dit où ils habitaient tous les deux? Dans un camping-car. Elle m'a dit que grand-père était mécanicien. Et qu'ils avaient beaucoup voyagé, dans plein de pays. Et que c'était super chouette. Et là, tout d'un coup, elle dit qu'il veut te tuer. J'y comprends rien. Il était comment ton grand-père quand il t'a abordé avant-hier? Plutôt gentil. Jusqu'à ce que mon père arrive. Il m'a donné ça.
Mais qu'est-ce qu'il a fait, grand-père? Pourquoi il est en prison? Ton grand-père a fait du mal à certaines personnes. Il en a fait à ma mère? On sait pas encore. Salut, c'est Jessie. Laissez-moi un message. C'est moi, c'est maman. Rappelle-moi, s'il te plaît. Bonsoir, je suis le capitaine Rotting. Vous êtes bien Madame Clem? Vous l'emmenez où? Pour le moment, Connie va l'accueillir chez elle. Qu'est-ce que c'est? La vie illustrée de la famille Renk. Vous avez trouvé ça où? Dans ses affaires. Une remise dans son jardin ouvrier. C'est là que ses affaires ont été entreposées après sa tentative d'assassinat de Madame Evers, suivant les instructions qu'il avait données. Vous êtes entré par effraction? J'en prends la responsabilité. Ah, laissez tomber, il vous croira pas. Passau, Vienne, Budapest, Kesteli, Pula, Zagreb, Trieste. Printemps 1997, juste après la disparition de Sven. Monsieur Karls a fait le rapprochement. Toutes les dates correspondent à celles des cartes postales écrites par Chris à l'époque. Till, j'écoute. Amenez-la. Nos collègues d'Aix-la-Chapelle ont retrouvé Julia Renk. Il ne faut pas avoir peur, Mademoiselle Renk. Madame Weiler va s'occuper de vous. Bonsoir, Madame Clem. Venez. Je vais le prendre. Merci. Ne vous inquiétez pas, votre fille va bien. Elle va passer la nuit chez une de mes collègues. Je vous présente Madame Sturz. Entrez. De l'eau? Merci. Pourquoi écrivez-vous ces cartes postales? Quelle carte postale? Madame Renk, il y a 3 jours, vous avez déposé cette lettre dans la boîte aux lettres d'un centre commercial à Courweiler. Ah bon? C'est bien vous, non? Vous voulez prendre le temps de regarder la lettre? Vous avez le droit de l'ouvrir. C'est pas à moi qu'elle est adressée. Elle est adressée à qui? Monsieur et Madame Nolden, 22 chemin 9, 41363, Yushen. Vous connaissez Monsieur et Madame Nolden? Non. Mais c'est bien vous qui avez déposé la lettre dans la boîte. Et pourquoi vous avez fait ça? J'en sais rien. Quelqu'un vous avait demandé de le faire? Non. Vous pouvez l'ouvrir. Allez-y, ouvrez-la. Ça va aller, Madame Renk. Mais alors, ils pourront plus la recevoir. On peut savoir qui? Les Nolden? Et ils sont censés la recevoir? C'est grave s'ils ne la reçoivent pas. Est-ce qu'elle dit des choses importantes?
La lettre dit que Sven est encore en vie. Je sais pas. Pourquoi écrivez-vous que Sven est encore en vie? J'ai pas écrit ça. C'est qui alors? C'est Chris qui l'a écrit, n'est-ce pas? Pourquoi? Je voulais pas qu'il s'inquiète. Qui ça? Les parents de Sven? Les Noldon? Pourquoi il fallait pas qu'il s'inquiète? Ils avaient une raison de s'inquiéter? Tu veux aller où? On y est presque. Viens. Alors c'est toi, Sven. Papa voulait faire sa connaissance, c'est tout. C'est ce qu'il vous a dit. Et qu'il ne lui ferait aucun mal. Mais il lui a quand même fait du mal. Il l'a attrapé et il l'a embarqué. Allez, avance! Allez, descends! Madame Renk? Madame Renk? Est-ce qu'il est mort? Julia! Descends, viens! Descends! Viens, je te dis, bouge-toi! C'est de ta faute tout ça! C'est à cause de toi ce qui t'est arrivé! Allez, viens! Allez, va voir, regarde! Regarde à quoi ça ressemble! Tiens! Regarde! Putain, il est encore vivant! Tire! Tire! Il l'a ramassé. Il l'a emporté. Il l'a emporté où? Au camping-car. Elle parle du jardin ouvrier. Madame Renk, est-ce que Sven est toujours dans le jardin ouvrier? Il l'a transporté ailleurs, parce que la voisine s'était plainte. Et la voisine, pourquoi elle s'était plainte? Parce que ça sentait mauvais. Alors, papa a dit qu'il fallait le transporter ailleurs. On a acheté de l'essence, et papa l'a brûlé. Jeté dans le Rhin. Vous n'êtes responsable de rien, Madame Renk. Vous voulez faire une pause? Allez prévenir Martha. On va fouiller ce jardin. Attends, elle vient de dire qu'il s'était débarrassé du corps. On va finir par trouver. En tout cas, on ira jusqu'au bout. Vous avez trouvé quelque chose? Stop, il y a un truc. Vinny. Regardez, on dirait la pointe d'un menton. Vous arrivez à reconnaître ça? C'est quoi ça? On dirait une pièce de monnaie.
Une vieille pièce de 5 marques. Mmh. Ok. On l'a trouvé, Carl. Merci, Ingo. Monte, allez. Non. Allez-y, vous deux. Moi, j'ai envie d'aller marcher un peu. Comme tu voudras. C'était sa dernière enquête. Ouais. Quand j'ai commencé avec lui, j'avais pas mon mot à dire. Ah oui, sans blague. Bon travail, Vinny. Tu vas me manquer. Allez, viens là. On va boire un verre avec les autres, hein ?